Et nous voilà de retour pour Mega Man 3. Et cette fois-ci, nous allons en prendre à Hardmare. Le gros balourd de la plante. Bon, alors d'entrée de jeu, je vais vous montrer une petite astuce. Ok, allons-y. Hop, je me décale. Dès que les abeilles arrivent, je me décale vers la gauche et elles disparaissent. Hop, et voilà. Bon, et puis je vous montre l'arme qu'on a obtenue, le Magnetic Missile. Pas trop mal. Ça permet d'éliminer des ennemis à distance. Et surtout, c'est l'arme que nous aurons besoin contre le boss de ce niveau. Bon, ce stage est un peu plus long que les précédents. Les précédents, je les ai torchés en un temps record. Celui-ci, il est un peu plus long, donc... petite recharge d'abord. D'aller chercher la pastille. Alors, hop. C'est une grimper avant qu'il arrive. Ouais, c'était juste. Alors ici, on aura encore des métoules. Alors, je passe par le haut pour le... parce qu'il y a un étang. Mais on peut aussi prendre le chemin du bas. Et je crois que si je prends le chemin du bas, j'aurai des pastilles. Bon, j'en ai pas vraiment besoin. Bon, là on a de retour les petites abeilles, mais cette fois je pourrais pas les éviter. Ah, je fais n'importe quoi. Bon, attention. On retombe sur Breakman. Ah, c'était pas très bien joué. Oh, j'ai encore une fois la même erreur. Ah, ça c'est mieux. J'essaie de pas me planter. Ouf. Aïe aïe aïe. J'ai perdu pas mal d'énergie là. Ça devrait aller. Par contre, j'ai pas pu recharger mon arme. Est-ce que ça va suffire? Pff, sinon je le finis au tir. Aïe aïe aïe. Est-ce que je prends un tank? À chaque fois qu'il s'enfonce dans le sol, il me bloque un petit peu. Et en plus de ça, j'ai des sérieux ralentissements. Ouf. C'était passé à pas très loin. 3 barres de vie. Ok. Et ben, encore un boss de torché. Il n'en reste plus que 3. Et après ça, oui, on va pouvoir s'attaquer à Dr. Willy. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine!